Depuis plus de deux siècles, l'hôtel de Brienne est le siège du ministère de la Défense. Construit dans les années 1720, il fut le théâtre des grandes heures de l'histoire de France. D'un point de vue architectural, c'est un hôtel assez classique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un hôtel relativement commun, très représentatif du début du XVIIIe siècle parisien. Dans son histoire, ce qui fait la particularité de l'hôtel de Brienne, c'est peut-être toujours cette proximité avec le pouvoir. Voilà, c'est-à-dire qu'il a toujours été occupé par des femmes de pouvoir, des hommes de pouvoir. La destinée de l'hôtel de Brienne a toujours été assez liée à celle de la France. En 1776, le comte de Brienne en fait l'acquisition. Monsieur de Brienne va profiter de la faveur de son frère et va devenir en effet ministre de la guerre. C'est la première fois que l'hôtel de Brienne devient le siège du ministère de la guerre et cette période dure vraiment très peu de temps puisque Monsieur de Brienne donc, n'est ministre que de 1787 à 1788. Après avoir été la propriété de la famille Bonaparte, l'hôtel de Brienne est racheté par l'État en 1817 et devient le siège du ministère de la guerre. Un ministre, c'est certes quelqu'un qui travaille, mais c'est aussi quelqu'un qui reçoit. Et les ministres de la guerre successifs, au XIXe et au XXe siècle, installent leur bureau plutôt à l'étage, afin de conserver au rez-de-chaussée sa fonction de réception. C'est pour cela que cette pièce ne devient bureau du ministre qu'assez tardivement dans le cours du XXe siècle. De nombreux ministres de la Défense ont ainsi écrit les pages politiques et militaires de la France entre ses murs. Parmi les plus illustres se trouvent Georges Clémenceau et le général de Gaulle. L'hôte le plus célèbre de l'hôtel de Brienne, c'est le général de Gaulle, qui s'est installé ici à deux reprises, juste avant la Seconde Guerre mondiale et juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors juste avant, ça a été très bref, puisque le général de Gaulle s'est installé ici en tant que sous-secrétaire d'État à la guerre et de la défense nationale, donc le titre qu'il a obtenu en juin 40. Au débarquement, le général revient en France et se présente comme le chef naturel de la République. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Paris est libéré les 24 et 25 août 1944 et le général de Gaulle donc devient de fait chef de ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française. La question qui se pose est où installer ce gouvernement provisoire de la République française. Il n'a pas voulu s'installer à l'Élysée, mais il fallait quand même s'installer dans un bâtiment de pouvoir pour marquer justement cette permanence du pouvoir. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, qui connaissait bien l'hôtel de Brienne, a choisi de s'y installer. Cette installation a donné lieu à une fameuse page de ses mémoires de guerre dans laquelle il explique qu'il a retrouvé les lieux exactement comme il les avait quittés en 1940, quatre ans plus tôt. Par la suite, les ministres de la Défense de la 4e et la 5e République s'y installeront successivement. Dans l'avenir, l'hôtel de Brienne restera ce bâtiment prestigieux qu'il a toujours été et servira de lieu officiel de réception du ministre de la Défense.